Hey, salut à tous et à tous, c'est Jordan, on se retrouve pour la première bataille en fait du projet vidéo que j'ai lancé, donc avec le mode 7 Kingdom Total War. Donc pour cette première bataille, nous allons jouer et incarner les Martels, dirigés par Oberyn Martell, donc de la faction de Dorne, qui vont défendre la ville. Donc pour être plus ou moins dans les cordes de Game of Thrones, j'ai pris la ville d'Antioche pour en fait montrer la grande ville du sud. Et puis donc avec un environnement désertique, le sable, un peu limite la savane quoi, enfin vraiment montrer la sécheresse, le sud et le décor que l'on peut retrouver dans cet environnement du sud de Westeros. Donc je joue Dorne, comme je l'ai déjà dit. Avec, je vais vous présenter l'armée tout simplement, donc je vais pas vous refaire le stuff et tout, j'ai déjà assez dit dans la vidéo de présentation des différentes factions et armées. Donc pour la défense de mes murs, j'ai 6 unités d'archers Martell. Donc en fait j'en ai 4 sur les murs et j'en ai 2 en retrait ici. Au cas où les portes s'ouvriraient et donc pouvoir ouvrir le feu sur la porte. Ensuite j'ai essayé, en fait j'ai mis en personnalisé les fonds, hein, j'ai pas cherché, mais j'ai essayé de montrer le plus d'unités possible. Donc en fait j'ai fait une armée assez diversifiée. Il y a des unités légères, des unités médium, enfin moyennes, et des unités lourdes. Donc enfin des unités lourdes, il n'y a pas d'unités lourdes au niveau des armées de Dorne, à part le général, mais sinon voilà, c'est que des unités moyennes ou légères, et il y a franchement largement le moyen de s'en sortir face à une puissante armée des Tyrell qui vont venir assiéger les murs de la ville. Donc en plus de ces 6 unités d'archers, j'ai 3 unités, 4 unités des lanciers moyens des Martels, 4 unités d'épéistes, dont 2 qui seront sur les murs prêtes à accueillir les unités ennemies. J'ai 3 unités des épéistes légers ainsi que 2 unités d'épéistes légers. Qui sont un petit peu partout. Je les ai vraiment dispersés, mes unités, pour que ça soit joli. Par exemple ici, donc je vais vous montrer les unités à seul but. Donc ça c'est les lanciers Tyrell. Donc ils sont vraiment les lanciers de Martell, pardon. Ouh, faut pas que je commence à faire des erreurs. Je vais me faire frapper par les fanatiques de Game of Thrones. J'en suis un en plus, donc ça c'est grave si je me trompe. Donc voilà les magnifiques lanciers des Martell. Ensuite derrière toujours des lanciers mais beaucoup plus légers, ça fait plus garde en fait, des gardes de cité en fait, des gardes civils qu'on peut retrouver dans les rues par exemple. Et derrière des épéistes légers, donc pareil, ça fait limite pirate en fait, du sud. Ici des épéistes, les épéistes moyens, la meilleure unité d'épéistes de la faction. Donc des unités aussi très magnifiques. Ici toujours des lanciers à la porte. D'autres lanciers qui vont cacher, enfin bloquer l'accès à la montée. Derrière, pareil, on a 2 unités de lanciers qui bloquent à cet endroit. Une autre unité d'épéistes ici. Sur les murs. De très très bons archers, de ma foi les archers des Martels sont quand même très très bons. Donc on dirait un petit peu genre des archers perses en fait, mais ça reste très significatif hein, de la faction des Martels du sud, etc. Et plus loin, puisque pour bien utiliser la cavalerie des Martels, qui est les unités entre guillemets les plus redoutables je pense de la faction, j'ai mis les 4 unités de cavalerie au bout, et en fait elles vont faire le tour de la cité pour venir flanquer en fait par surprise les unités Tyrell.
Ici, j'ai fait une petite barricade que j'ai mis avec des épéistes légers ici pour bloquer tout accès au cas où. Mais normalement, il ne devrait pas passer. Alors, on va commencer cette bataille. Donc, tout de suite, je vais faire sortir la cavalerie. On va la faire sortir, on va la faire venir. Normalement, elle ne devrait pas bouger. Voilà, elle sort, c'est bien. On va mettre, attendez, on va mettre nos unités de tir en flèche lourde pour commencer avec un tir précis. Et on va admirer la beauté des unités du jeu contre les Tyrell. Les Tyrell qui vont vraiment souffrir. Ils vont souffrir, les Tyrell. Donc voya, voya. Oui, bien sûr. Voya. Les épéistes moyens des Tyrell. Donc il me semble que c'est ça, oui. Les swordsmen. Les medium swordsmen. Donc voilà. Ils prennent déjà cher. Ils prennent de sacrés coups. Ici, les épéistes lourds des Tyrell. Ils sont magnifiques. C'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo. Ils sont vraiment magnifiques et vous voyez quand même qu'ils souffrent. Ils souffrent vraiment beaucoup. Et maintenant, on va enflammer nos flèches pour essayer de détruire toutes ces tours. Il ne faut pas qu'elles passent. Enfin, toutes ces échelles plutôt. Donc voilà, encore des épéistes ici. Derrière, de l'infanterie lourde toujours. Encore de l'infanterie lourde qui tiennent le bélier. Des épéistes, des épéistes. Ici, des archers. Il y a ma cavalerie qui est... Hop, la cavalerie est ici. On va la faire venir. On va pas la faire venir tout de suite. On va la poser là. On va pas la faire approcher trop trop vite. Donc voilà, nos archers commencent à ouvrir le feu avec les flèches enflammées. Les archers Tyrell aussi ouvrent le feu, ma foi. Les archers, des archers longs. Les lanciers, les redoutables lanciers Tyrell, les unités sont vraiment magnifiques. Ici, regardez, ce sont des hallebardes, ce sont même pas des lances, ce sont des hallebardes que les Tyrell se sont munis pour essayer de venir à bout des armées de Dorne. Ici, la cavalerie des Tyrell aussi, elle est magnifique. La cavalerie est magnifique, les lanciers aussi. Une première ici. Les trois échelles sont en train de prendre feu. Je pense que attendez, parce que je fais taire ces deux unités d'archers. Elles ne doivent pas en venir à bout tout de suite. Hop. Il faut que cette échelle essaye d'arriver au moins jusque là-bas. C'est le but. Alors là, je pense que si elle s'écarte autant, c'est que les unités ennemies ont aperçu ma cavalerie. Je pense. Je crois qu'aucune échelle va t'arriver aux portes. Je pense que ça sera comme ça. On va repasser en tir lourd pour éliminer tout ça. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Bah, apparemment, ils sont pas bien. Ah bah voilà, la tour est la deuxième échelle pardon est détruite. Voilà, ici on a un bel aperçu de l'infanterie lourde des Tyrell qui prennent vraiment un énorme coup. Ils se font vraiment massacrer hein. Les flèches n'arrêtent pas de tomber sur eux. Les unités meurent l'une après l'autre. Des flèches dans la tête, dans le plastron, etc. Dans les boucliers. Aucune échelle n'a réussi à passer. Donc nous on va passer, on va essayer de... Bah oui, on va essayer de passer. Ici les piquets, je vous avais pas montré les merveilleux piquets des Tyrell qui sont aussi très magnifiques et significatifs ma foi. Donc voilà, on va essayer de passer avec notre cavalerie. On va passer derrière eux, on va essayer de mettre les piquets de côté. Ma foi, leurs archers, les archers Tyrell font énormément de dégâts. Voilà, on a empêché le bélier de venir et d'ouvrir la porte. Ils se sont fait massacrer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'une infanterie lourde entière a péri
et continue de se faire harceler par nos archers qui font un travail monstrueux, n'empêche. D'ailleurs, on va tirer tout là-dessus. Oula. C'était pas prévu que cette unité prenne un coup. Nos javelins ont fait quand même un travail remarquable. Cette unité de piquet a pris extrêmement cher. Nos archers continuent le travail avec les javelins qui continuent de tirer également. Magnifique. Magnifique, vraiment. On va essayer d'aller se faire le général ennemi. Avec cette unité, on va rester à distance. Ici, on peut faire une charge frénétique, c'est super. Hop, ici. On fait un tir concentré avec tous nos archers. Un tir concentré sur, sur cette masse d'unités Tyrell qui est un petit peu perdue. Elle est limite déroutée, en fait. Elle ne sait pas trop quoi faire. Nos archers, ici, nos archers montés qui vont venir tirer et pilonner cette unité d'archers ennemis. Vous voyez le genre. Ils sont magnifiques. Alors nous ici, on va aller venir chercher. On va venir le chercher vraiment. Avec notre unité, on va essayer d'anéantir cette cavalerie lourde Tyrell. Elle sent les tirs. Faut essayer d'en venir à bout. On va la charger. On va charger avec Oberyn. Ici j'ai une cave qui est en train de se faire méchamment accrocher. Les portes ont été détruites. Les portes ont été détruites par les hommes de Tyrell qui subissent une fois de lourdes pertes. N'empêche. Je sais pas ce qu'ils essayent de faire. Ah, ils détruisent la porte même. D'accord, ok, les mecs n'ont pas peur. La porte en plus elle est grande ouverte. J'ai pas compris. Oberyn est à deux doigts de mourir. Ah bah, mon général est mort. D'accord, ok. Le général est mort, très bien. On va essayer de faire de même pour le leur. Ça serait bien. D'ailleurs, je sais pas où il est le leur. On fait encore beaucoup de dégâts. C'est vraiment super. Ici on a quoi? C'est toujours les piquets. Et en plus je n'ai plus rien. On va charger ici avec nos archers montés qui n'ont plus de flèches. On va charger. Oh, elle est magnifique cette charge. Elle a tout détruit. Cette charge a tout détruit. La porte n'a toujours pas été détruite. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent vraiment pas quoi faire. Ils continuent à se faire harceler par nos archers qui commencent à ne plus avoir de flèches. Et ça, ils sont nombreux. Et ils vont essayer de passer réellement. Ils vont passer cette porte peut-être. Ils n'ont pas l'air, ils n'ont pas l'air d'avoir envie de passer la porte. La porte est toujours fermée, hein, normal. Et je sais pas, l'IA joue très très mal. L'IA ne cherche pas à ouvrir la porte avec le bélier, je comprends pas. On va gagner cette bataille avec quasiment
aucune perte. Ici on a plus qu'un homme, le mec a un moral d'acier quoi, c'est il en peut plus, même son général il est mort, il en peut plus. Le mec est tout seul. Waza. Je vais le faire charger. Ma foi, il en a rien à foutre. Ah, là voilà. Il a pris un coup, il était pas bien. Hop. On a quoi encore ici? On a des épéistes toujours. Ah, l'armée Tyrell s'est fait totalement massacrer. Elle s'est faite massacrer. C'est un truc de fou. Il n'existe plus rien des Tyrell. Et alors que la mienne est quasiment intacte, ils n'ont pas réussi à passer les murs. À cause de cette histoire de portes qu'ils n'ont pas réussi à ouvrir. Ah ouais, puis voilà. Tu m'étonnes. La cavalerie en paye le prix. Je cherche pas à bien jouer, à jouer sur la micro-gestion. Hein. C'est vraiment juste pour la beauté de ce que les modeurs ont fait en fait. C'est juste pour voir ça. Oula. Allez, il ne meurt pas. Les tuer un par un. Ce mec est fou. Il est fou. Bon allez, on va sortir. On va sortir avec quelques troupes quand même. Et on va venir se mettre devant. Des sales tirs quand même. Ah, il est toujours pas, mais mon cavalier n'est toujours pas mort. Allez camarades, j'ai pris un tir. Allez, allez, placez-vous vite. Il reste plus grand chose. On va affronter l'infanterie lourde des Tyrell. On va faire tirer nos deux unités qui sont derrière les murs. Et ils ont un petit peu cassé la charge comme ça. Ah oui, ils font un dégât monstrueux. Ils tuent des hommes à nous, mais ils font un dégât plus que monstrueux, faut savoir. Allez. Allez, collègues. Ouh, oh là là, tous les morts. Ils sont pas bien, ils sont pas bien.
tirer là-dessus. Mais non, tirez-nous pas dessus. S'il vous plaît. Oh, on voit quand même les épéistes de Dorne sont largement inférieurs à l'infanterie Tyrell. Hein. J'aurais fait un face-à-face avec l'armée Tyrell, j'aurais probablement perdu, sachez-le. Parce que mes lanciers, mon infanterie est nettement inférieure à celle des Tyrell. Mais j'ai juste de très très bons archers. Et voilà. On a gagné cette bataille avec très 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 peu de pertes. Grâce à nos murs qui ont tenu et en fait ils n'ont pas réussi à ouvrir la porte. S'ils auraient ouvert la porte, ça aurait été peut-être plus compliqué s'ils auraient réussi à tous rentrer, mais voilà, ça n'a pas été le cas. Et donc voilà, donc j'espère que cette première bataille qui a opposé les Martell aux Tyrell, la faction de Dorne face à la faction The Reach, je crois. Donc voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à passer sur ma page Facebook et le lien pour télécharger le mode sera toujours dans la description sur ce projet vidéo. Donc voilà, merci à tous, salut à tous et ciao ciao.